tu as allumé petit loup, putain, on dirait un youtubeur en train de parler comme ça. Il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui avaient des impressions sur les Roumains. Du coup, bah, j'avais un peu peur par rapport à eux, mais je voulais vite rentrer pour leur montrer que tout ce qu'ils disaient, bah, c'était faux et que. Voilà. J'avais peur aussi qu'en retour, les Roumains, ils portent aucune attention à ce qu'on vienne les voir, aucune importance à l'échange et au voyage et au partage. J'avais peur de m'ennuyer, parce qu'on n'avait pas vraiment d'activité prévue et on savait pas à quoi s'attendre. Avant de partir en Roumanie, ce que j'appréhendais le plus, c'était leur accueil et la rencontre avec les Roumains, parce que j'avais jamais fait d'échange de ce type auparavant. En fait, j'avais beaucoup de craintes par rapport à cet échange, de savoir est-ce que j'allais m'acclimater à l'environnement de là-bas, parce que finalement, on savait pas trop dans quoi on se lançait, en quelque sorte. Un petit peu de crainte sur comment allait être l'environnement là-bas, comment, où c'est qu'on allait dormir et tout ça. J'avais vraiment peur de ne pas me faire comprendre et de ne pas arriver à sympathiser, à aller chercher l'amitié, on va dire. J'avais peur de, tout bêtement, mais de la nourriture, des conditions de vie, parce que c'est vrai que la Roumanie, c'est quand même un pays moins riche que la France. J'avais peur en fait de me sentir mal à ma place en me disant comment ils nous regardent par rapport à comment on les juge en fait. J'avais des craintes sur savoir est-ce que les Roumains et les Français on allait se mélanger, enfin si on n'allait pas rester en groupe français-roumain. Et j'ai aussi comme crainte qu'on s'intègre pas à eux, qu'on n'y arrive pas à vivre avec eux et voilà. En fait j'avais peur de pas pouvoir se faire comprendre et de pas comprendre les gens là-bas. Et j'avais peur, mes craintes. Voilà. J'attendais beaucoup de moi, d'évoluer, de changer de mentalité, de découvrir de nouvelles personnes, voir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, grandir et puis changer ma pensée. En fait, j'avais envie vraiment de créer un lien avec des Roms, des Roumains. Enfin, je savais pas ce que c'était la différence avant, donc maintenant je la fais. Avant de partir, j'avais pas forcément très envie de partir parce que je me disais la Roumanie, ça me disait rien. Je voulais passer des vacances entre potes, à rigoler, mais que entre potes. Par rapport au sujet qu'on avait, que ça change mon regard en fait sur. Sur les préjugés, la discrimination, sur pas forcément les Roms, mais sur toutes les ethnies et toutes les cultures qui sont discriminées. J'attendais de découvrir une autre culture, découvrir des gens qui vivent pas comme nous on vit, enfin comme moi je vis surtout. Donc moi j'avais vraiment trop envie de créer des liens avec des gens d'ailleurs et... Donc des Roumains. J'en attendais aussi que ça me rapproche de mes amis avec qui je partais. Mais bon, d'un autre côté, je savais que ça allait être bien parce que j'avais confiance au plan d'Olivier et que ça allait bien se passer. Quand je suis partie, je me disais surtout je vais faire un camp avec mes potes. Je me disais pas je vais faire un truc de fou en Roumanie, quoi. Bon, au début, je pensais qu'on allait vivre dans des conditions de vie enfin vraiment limitées, quoi, genre pas d'eau chaude, enfin déjà pas d'eau tout court. Puis au début, Olivier nous avait dit qu'on allait faire des maisons avec du caca de cheval, je crois. Enfin, j'avais pas un avis très positif au début sur ce voyage, quoi. Genre ça m'inspirait vraiment pas, genre quand on me disait Roumanie, ça m'inspirait pas, je me disais ça c'est un pays pauvre, qu'est-ce qu'on va y faire là-bas de spécial. Pero tú me despayas.
Qu'est-ce qu'on a pensé sur la visite de l'école? C'était bien. Donc déjà on est arrivé. Il y a des enfants, ils sont venus nous voir et ils nous ont fait visiter les lieux. Ouais. Donc les salles où ils faisaient les cours, tout ça, donc les classes. Après on est allé dans une salle où on a tous dansé. Ils nous ont montré un peu des danses traditionnelles qu'ils faisaient. Alors, on apprend à danser à l'école. J'aime danser, je n'ai pas les maths. Ma meilleure amie est Mihaela. Il est 10h50. Voulez-vous me faire un bisou sur la joue? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Bravo! Ah. Quelle heure? Mika Bakuli. Midi 24. Chaïkhozetche Ani. Chini plak animalele. Nomi plache chocolata. Pray. Pretenur. Meu. Chermai bun este Emma. Este ora. Zetche falabetche. Freti zomi dachi. Antopik te obraz. Are accentul și i-am zis de mai multe ori, dar tot are accentul la cum preții sau... Compa, crapă, ceapran, patru, crapa iară, capur, caprei, cum crapat, ia, piatran, patru. Soyez genre Romani, c'était génial. Enfin, pour moi, après, j'ai vraiment aimé les gens qu'il y avait là-bas, les rencontres qu'on a faites, et les activités aussi qu'on a faites. On a beaucoup parlé de la vie. Parce que c'était une super bonne expérience. Après, on a ça rencontré des gens. Ouais, ça nous a fait grandir aussi. Ouais, puis je pense qu'on le fera qu'une fois dans notre vie. Ouais. On a pu échanger avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On s'est rendu compte de la chance qu'on avait d'être habité en France aussi, quand on a vu la pauvreté qui était pas loin de chez nous. Ça nous a permis de découvrir des choses que... de casser les préjugés, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on revient pas avec les mêmes... Les mêmes préjugés. Ouais, les mêmes pensées avant... Ouais, avant, quand par exemple on voyait quelqu'un qui se moquait de quelqu'un d'autre, on disait rien, mais là, c'est un peu fort, mais après la Roumanie, on se dit, on connaît pas la vie de tout le monde, on connaît rien en fait. Et ça permet d'ouvrir les yeux un peu, ouais. Au début, on leur parlait pas trop, mais après ça allait un peu mieux parce qu'on a appris à se découvrir et tout. Et je pense qu'on a appris à se découvrir en faisant des activités à l'extérieur, pas trop en restant dans une maison. Ça a quand même changé la vision sur les autres. Enfin, pas spécialement que des Roms, par exemple, mais que des autres. Par exemple, moi, personnellement, avant, je pouvais critiquer des personnes que je connaissais pas. Et maintenant, mon premier réflexe quand quelqu'un critique, c'est de dire « mais tu le connais pas » ou... Alors que, ouais. Ça nous a fait grandir, en fait. On se pose beaucoup plus de questions sur les personnes qu'on croise avant de les critiquer. Les a priori, on avait des préjugés sur eux, comme tout le monde, je pense. Donc voilà, après, on a compris.
compris que c'était pas que... Enfin, on a compris que c'était pas le cas. Par exemple, bah, les Roms, c'est des voleurs, tous les préjugés comme ça. Enfin, après, voilà, les Roms, ils étaient super gentils avec nous, super généreux, ils nous offraient... Enfin, voilà, on a été super bien accueillis, du coup, ça nous a... On a oublié tous ces préjugés, un peu. Bah, en gros, les Roms, c'est les gitans en France, et... Enfin, c'est une communauté qui est mal vue, qui se prend pour des voleurs, des malfaiteurs en gros. Et enfin, on allait voir là-bas et enfin, franchement, c'est des personnes qui ont leur valeur à eux et enfin, ils font partager, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est super bien de partager des valeurs comme ça. Quand on voit les Roms, on voit les Roms de France, on entend tout ce que tout le monde dit, qu'ils vivent dans des caravanes et tout. Et en fait quand on arrive... En Roumanie, on se rend compte qu'il y a la même discrimination. Puis nous, on a vécu avec des Roms, du coup, on sait qu'en fait, c'est des gens comme les autres, quoi. On sait que ce que les gens disent sur eux, c'est faux. Et... Ouais. Bah, moi, personnellement, dans mon entourage, on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit fais attention à tes affaires et tout. Mais j'ai des amis qui m'ont dit bah ouais, range ton portable, prends-le même pas, tu verras, machin. Alors qu'ils savent, ils en savaient rien. Et au final, on en a reparlé après, et puis ils nous croient toujours pas. Enfin, c'est pas des paroles qui vont leur faire changer d'avis, mais nous, on sait ce qu'on a vu et on sait ce qu'on dit, du coup, maintenant. Ouais, c'est le principal. Ouais. Maintenant, on a une nouvelle vision des... Ouais, une nouvelle vision des choses. C'est vrai qu'en fait, on voit la Roumanie comme un pays pauvre, avec que des Roms, du coup. On dit que c'est des Roms. Souvent, en France, quand on voit des Roms, on dit que c'est des Roumains, quoi. Du coup, on voit la Roumanie comme un pays pauvre, et du coup... Ouais, la France, elle se sent quand même supérieure, je dirais, quand même. C'est à cause des médias. On vit dedans, en fait. Depuis qu'on est tout petit, on vit dans les clichés, en quelque sorte. Ouais, puis on en entend ouais. Beaucoup parler à la télé, donc... On est éduqués dedans, en fait. On n'a pas peut-être à eux, qui sont peut-être plus leur opinion eux-mêmes. Nous, on est éduqués un peu à avoir des préjugés comme ça sur les gens sans connaître. Ouais. On se permettait de juger sans connaître, mais là, faut en connaître pas mal pour se permettre de juger, justement. Et la Roumanie, ben... Ouais, faut comprendre la situation des gens, comment ils vivent. Genre, Roumains et Roms, il n'y avait pas de différence. On pensait que c'était juste... on disait Roms pour pas dire Roumains. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, bah, les Roms, là-bas, ils sont mal vus par les Roumains. Quoi. Ils sont même mis en dehors de la ville. Enfin, nous, notre maison, en fait, elle était un peu plus dans un village... Excentré, du coup. À la base, c'était un quartier Rom. Parce que... Et du coup, juste à côté de nous, dans la rue, il y avait... On l'a vu le troisième jour. Et ça nous a un peu, franchement, choqué. Je pense que vous verrez les vidéos. Enfin, ils vivent vraiment dans des conditions... déplorable, et du coup ils sont rejetés aussi, ouais, même en Roumanie, enfin de partout. Du coup je me dis là c'est vraiment n'importe quoi la discrimination, c'est vraiment des gens qui sont des gens cons qui discriminent, enfin je sais pas si ça se dit, ouais. Mais ouais, ils savent pas ce que vivent les gens, en fait. Voilà, c'est des préjugés, quoi. Ouais. Ils se basent sur des faits qui sont pas forcément vrais. Ils restent sur leur position et du coup. Ouais, pour se sentir plus fort, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Mais bon. On les appelle les gitans parce que c'est le cas, puisqu'en fait ils se sont fait exclure de leur pays il y a très longtemps, et du coup ils ont dû tous migrer dans des autres pays, et pour se déplacer, ils sont déplacés en caravane et ils n'ont jamais trouvé de terre d'accueil, du coup ils sont toujours avec leur caravane. C'est juste pour ça qu'on les appelle les gitans. Donc au final, il ne faut pas grand chose pour arriver, enfin on peut y arriver, quoi, à se comprendre. Ouais, c'est pas parce qu'on est dans la langue qu'on parle pas pareil, qu'on vit pas pareil, qu'on peut pas vivre ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà.